Alors, est-ce que vous m'entendez là? Est-ce que quelqu'un peut me dire si vous m'entendez, si vous me voyez? Alors, apparemment, oui. Bon, alors très bien. Alors, c'est parti. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Emmanuel Gaberto. Je travaille aux éditions Jocatop. Je suis ancien enseignant, directeur d'école. Et j'ai pour mission aujourd'hui de parler évidemment de la continuité pédagogique à travers les ressources pédagogiques qui sont possibles de consulter aux éditions Jocatop, d'utiliser pour vos élèves, d'habitude dans un contexte de classe. Bien entendu, aujourd'hui, les événements nous amènent à orienter nos ressources vers une utilisation parent et surtout une utilisation en relation enseignants, parents bien entendu leurs enfants. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer l'ordre du jour. Je vais passer en plein écran pour que tout le monde voit ce que je suis en train de faire. L'ordre du jour, le voici. Donc la continuité pédagogique dans un premier temps. Ensuite, je vais vous parler d'une ressource que sont les cahiers Jocatop, et enfin j'aborderai le Jocastore, qui est un magasin en ligne sur lequel on peut retrouver des ressources numériques qui exceptionnellement seront utilisables par les enfants. J'y reviens plus tard. Tout d'abord, donc, la continuité pédagogique. Nous avons deux choses à l'esprit pour être dans les mêmes intentions que l'éducation nationale, que selon les recommandations du ministre. Premièrement, permettre l'enseignement à distance, mais aussi l'apprentissage à domicile. Vous verrez que c'est pas tout à fait les mêmes choses et que, bien entendu, nous avons réfléchi aux difficultés qui sont liées aux inégalités numériques des enfants qui n'ont pas la chance d'avoir un équipement à la maison, qui pour autant ne doivent pas décrocher et qui doivent avoir les mêmes chances que les autres. Donc nous avons des outils à vous proposer pour tout le monde. La continuité pédagogique, donc je viens de le dire, deux approches possibles. Il y a tout d'abord le support imprimé. Jocatop est un éditeur qui existe depuis 1996 et qui, vous le savez pour ceux qui connaissent les éditions Jocatop, fait beaucoup de numérique, mais pas que. Il y a aussi ce qu'on appelle dans le jargon d'éducation nationale des consommables, des fichiers où l'enfant écrit directement et vous allez voir que c'est tout à fait adapté aux circonstances actuelles. Je présenterai aussi des outils numériques, puisque c'est tout de même une grande partie de l'activité des éditions Jocatop. Et comme je vous l'ai expliqué, exceptionnellement, ces outils numériques seront utilisables dans des circonstances différentes de celles de d'habitude. Je vais commencer donc la première partie en vous présentant les cahiers Jocatop. Les cahiers Jocatop concernent deux matières, les mathématiques et le français. Vous allez voir que là aussi, il y en a pour tout le monde, et je vais commencer par le français. En français, nous avons tout d'abord des cahiers de graphisme et d'écriture. Ce sont des cahiers qui vont de la maternelle au CM2. Alors, bien entendu, avec des attendus différents. Tout d'abord, une petite, je vous montrerai un petit peu plus tard le format de ces cahiers. C'est important, ils n'ont pas tous le même format. Il y a du A3. Pardon, il y a du A4 ou il y a du A5, et vous verrez que ça a son importance en fonction des matières. Alors, je vais revenir à ma présentation, non pas mode d'écran, je vais quitter le mode écran provisoirement, j'y reviendrai un peu après parce qu'il faut que je vous montre des choses en même temps à l'écran. Voilà, est-ce que tout le monde. Alors, vous avez vu qu'on pouvait utiliser le chat, je reviens au chat, quelqu'un me demande une durée approximative de la conférence. Je pense que j'en ai pour une demi-heure, trois quarts d'heure avec vos questions. Si je ne suis pas clair, ça prendra plus de temps, ce que je n'espère pas. Je reviens donc sur les cahiers d'écriture. Donc, vous voyez le format des cahiers d'écriture, format A5. Là, ici, on a le cahier d'écriture, mon premier cahier d'écriture pour du graphisme à la lettre cursive. Les cahiers sont toujours présentés de la même manière. Un sommaire pour commencer, et ensuite une page, une lettre. Ces cahiers sont évidemment mis aux normes des nouvelles contraintes de graphisme. Il y a pour ceux qui
ont suivi ça, qui ont des petites classes, ça a évidemment changé, les points de départ des lettres, les boucles qui ont été simplifiées. Donc, tout ça est absolument à jour. Autre type de cahier, donc là, on est dans le premier cahier hein, qui pourrait être du cahier de grande section. On a du cahier d'écriture pour les CP, toujours dans le même format. Donc là, c'est un petit peu plus développé, bien entendu. On a les lettres, les attaques de lettres, des lignes de lettres à effectuer, à écrire petit à petit des syllabes simples, des syllabes plus complexes. Et ensuite, on va peu à peu vers des mots. On termine par l'apprentissage des majuscules. Alors, quelqu'un me dit qu'il ne voit pas les cahiers. Ce que je vais faire un passage par un PDF. Comme ça, ça sera plus simple, puisque j'ai tous ces documents au format PDF. Il sera plus simple pour vous de les avoir à l'écran. Alors, je vais remettre en partage d'écran. Vous allez voir tout ce que je fais. Hop, je fais une petite manipulation. Surtout, ne vous sauvez pas. Voilà, je vais partir de ma présentation. Voilà mes cahiers de français. Donc, j'ai les cahiers d'écriture. J'étais en train de montrer le cahier d'écriture de CP. Voilà. Je pense que pour tout le monde maintenant, c'est plus simple. Tout le monde doit bien le voir. Je vais peut-être vous mettre, en plein écran. Voilà. Donc, ce cahier d'écriture, on a les différentes graphies. Je vais pas faire cahier par cahier, rassurez-vous, juste pour vous montrer l'esprit. Une introduction à la forme des lettres, nouvelles attaques des lettres. Il faut savoir que avec ce cahier, il y a un guide du maître qui est très détaillé et qui explique précisément ce qu'on peut faire de ce cahier. Voilà. Donc là, c'est la partie effectivement guide du maître. Je vais revenir en arrière. Voilà. Et je vais vous montrer un autre cahier, j'ai commencé par le cahier de grande section, de graphisme grande section. Donc toujours, je vous mets en plein écran. Donc le premier cahier d'écriture, voilà les lettres qui sont détaillées. Donc lettre capitale avec le sens de l'écriture, bon, etc., etc. Je ne vais pas passer trop de temps parce que sinon là pour le coup ça va être très très long. Vous voyez un petit peu l'esprit à chaque fois. Une page par lettre, que ce soit en écriture cursive ou en capital et en script. Voilà, donc là, et après, vous voyez, des exercices aussi pour repasser avec des modèles, des lettres qui sont... on introduit peu à peu la notion de ligne CIS, l'écriture aussi des chiffres, ce qui est important, le sens de l'écriture des chiffres. Et puis à la fin, un petit tableau qui recense les différentes lettres. Je continue sur ces cahiers d'écriture avec un autre cahier qui est un cahier de perfectionnement d'écriture qui s'appelle « Le sourire à l'âme universelle de la bonté ». Joli, joli message. Bon, là aussi, on va un petit peu plus loin, bien entendu. On commence, là, on est vraiment dans l'élémentaire. Fin de cycle 2, hein, voire même cycle 3. Il n'est pas toujours vain de ne pas faire d'écriture, hein, de faire de l'écriture. Avec les élèves, vous savez comme moi que ça reste quelquefois compliqué pour certains. Donc c'est un cahier évidemment où ça va beaucoup plus vite et on repasse en revue les différentes lettres. Mais là, on confronte à la fois, vous le voyez, les différents types d'écriture. On introduit aussi même la majuscule. Voilà. Je propose d'arrêter sur ces cahiers. De toute façon, tous les produits que je vous montre rapidement, vous pourrez les retrouver sur notre magasin en ligne, sur le site des éditions Jocatop. Je passe maintenant aux autres cahiers de français. On a une série de cahiers de dictées qui s'appelle « Je réussis ». D'une manière générale, les collections s'appellent « Je réussis ». ».« Je réussis mes dictées ». On commence au CE1. Alors ça, c'est un outil très intéressant qui demande un petit peu d'explication. Ce cahier, vous avez le sommaire, vous avez une colonne avec toutes les compétences du CE1 sur 30 semaines. Donc, vous savez que comme on travaille 36 semaines, on a éliminé 6 semaines qui correspondent souvent aux semaines de rentrée, semaines de sortie des classes, semaines un peu avant Noël. On sait très bien qu'on a des fois un rythme un petit peu moins important à certains moments de l'année. Donc, on s'est concentré sur 30 semaines, 30 compétences travaillées, évidemment tout à fait conforme au programme. Et dans la deuxième colonne, ici, donc, des thèmes. Ces thèmes,
Ça permet de travailler de manière un petit peu moins fastidieuse les dictées, parce que pour les enfants, c'est jamais un exercice très commode. Donc autant un petit peu les rendre les choses un peu moins barbantes. C'est un cahier, comme beaucoup des cahiers Jocatop, qui permet vraiment de travailler l'autonomie. Donc évidemment, dans les circonstances actuelles, c'est très adapté. Il y a tout d'abord, à la fin du cahier, un petit des dictées que l'on peut coller ou recopier ici. C'est-à-dire qu'il y a la dictée, des mots. Vous voyez qu'on peut retrouver à la page 65 les mots de la dictée, les mots importants, à peu près une dizaine de mots. On a ensuite des compétences qui permettent de travailler sur ces mots. Deuxième page, il y a des exercices de prolongement et on peut éventuellement proposer de recopier le corrigé de la dictée. Voilà, ça c'est les deux choses que l'on travaille à chaque fois qu'on travaille une dictée. Une fois que la dictée évidemment est travaillée, à l'intérieur du cahier, on a les différentes dictées. C'est un 4 pages détachable que l'enseignant peut enlever. Là, je suis toujours dans les circonstances actuelles, c'est-à-dire de proposer ces cahiers à la famille. Et vous pouvez tout à fait proposer de faire la dictée en visioconférence avec vos élèves. On retrouve ce cahier dans donc d'autres classes. Je ne vais pas toutes les passer en revue. Je passe au cycle 3 avec du CM2. Donc, on va tout de suite toujours se mettre en mode plein écran. Donc, on retrouve les compétences, on retrouve les 30 thèmes qui sont travaillés et on retrouve le même état d'esprit. Hein, une première partie pour recopier la liste de mots, des exercices pour travailler ces mots, hein, travailler par exemple sur la définition des mots, recopier les 10 mots dans l'ordre alphabétique. Vous voyez qu'on travaille d'autres compétences. Là, ici, on travaille sur A accent, A sans accent, parce que dans la dictée numéro 1, on va avoir cette compétence orthographique. On a la place pour faire la dictée. Et toujours pareil, un exercice de prolongement. Voilà, je pense que vous avez compris sur les dictées. Je ne vais pas plus loin parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous présenter. Je vous présente maintenant la conjugaison. 4 classes aussi pour la conjugaison, puisqu'on ne fait pas de conjugaison à proprement parler en CP. Donc j'ouvre le CE1. Le CE1, ici, alors vous avez le sommaire, donc 27 semaines, un petit peu moins que les dictées. L'approche n'est pas tout à fait la même que les dictées. On fait beaucoup de manipulations de langue. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est pas du CLR ou c'est pas du bled conjugaison. Il y a d'abord une partie de recherche qui est indispensable pour arriver petit à petit à la notion de verbe conjugué. Là, on est dans la première notion, passé, présent, futur. Donc, c'est la phase découverte. On a des phrases qu'on doit colorier d'une certaine couleur pour savoir si ça parle au passé, au présent, ou ça va bientôt se passer. On n'emploie pas tout à fait encore les thèmes, mais plutôt les moments que ça représente. On recopie ces phrases dans l'ordre chronologique. Donc, on aborde petit à petit la notion de temps. Et ensuite, on a un exercice de classement, passé, présent, futur, avec des expressions qui sont liées au temps. On complète l'exercice 2 avec les mots hier, aujourd'hui, demain. Et puis, on relie, on varie un petit peu l'exercice, relier des groupes de mots pour former des phrases où on confronte à la fois des temps et des adverbes de temps. Et puis, ensuite, on est dans l'entraînement. Voilà, on est déjà dans la phase d'entraînement. On continue l'entraînement. C'est de plus en plus complexe. Et puis, on arrive à des choses beaucoup plus complexes, puisque là, vous voyez, les images te montrent le matin des oreilles, écrit une phrase à côté, donc on est dans la rédaction en utilisant les temps qui ont été étudiés. Le prolongement, c'est une espèce de synthèse qui permet de retrouver les mots étudiés. Donc c'est une phase, vous voyez, qui est assez complète et assez progressive et qui accompagne bien les enfants et qui ne demande pas simplement de faire de la conjugaison en mettant des terminaisons ou en récitant des temps. Je précise encore une fois que ces cahiers sont donc utilisables du CE1 au CM2. J'ai fait le tour du français. Je vais peut-être faire une petite pause et revenir donc au chat. Je vais quitter mon partage d'écran. Et est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou qui veulent faire une remarque sur ce que je viens de présenter pour l'instant, pour faire une petite pause en s'arrêtant sur le français? Est-ce qu'il y a des gens utilisateurs qui veulent apporter leur témoignage? Bien entendu, pas question que ça dure trop longtemps. Je vais relayer quelques petites infos. N'hésitez pas pour que je puisse vous apporter ces renseignements. Je peux, en attendant, vous parler des prix, si ça vous intéresse. Alors, pour info sur les prix,
Nous avons conscience que c'est une période particulière. Nous avons fait un geste commercial pour aider à la fois les familles et les enseignants à ne pas avoir en plus cette difficulté en diminuant de 50% les frais de dossier, les frais de port, ce qui est un geste important pour nous parce qu'il faut savoir que l'envoi au détail, c'est quand même assez compliqué pour nous dans ce contexte de préparer et de livrer. Donc, vous retrouverez les prix en ligne sur le site donc des éditions Jocator. Alors, quelqu'un me dit qu'il les utilise pour son enfant de 9 ans. Tout se passe bien. On aimerait bien varier des exercices avec des exercices en ligne. Alors, vous faites référence à ce que je suis en train de dire, peut-être, varier avec des exercices en ligne. C'est-à-dire que là, oui, ils en ont un peu marre des cahiers. Mais je vais présenter des choses aussi en ligne, ne vous inquiétez pas. Permettez-moi tout de même de continuer sur les cahiers parce qu'il y a une autre matière importante dans les cahiers et je pense que vous êtes un certain nombre à connaître. C'est en lien avec nos amis de Bout de Gomme. Donc je vais revenir en plein écran et je vais parler des mathématiques. Voilà. Les mathématiques, donc, les voici. Trois thématiques en mathématiques, enfin trois domaines, calcul, problème et géométrie. Vous verrez que pour le CP, c'est un tout petit peu plus complexe que ça parce qu'en problème, on a aussi de la numération qui est abordée. Alors, ces cahiers bout de gomme, vous les connaissez forcément pour ceux qui sont déjà allés sur le blog bout de gomme. Ça fait plusieurs années que les cahiers bout de gomme, enfin les auteurs de bout de gomme travaillent avec les éditions Jocatop. Et vous avez peut-être déjà rencontré, eh bien ici, notre ami Thirobot et puis Robotine qui accompagnent les enfants dans ces cahiers qui sont extrêmement bien faits. Alors, je vous remets en plein écran pour qu'on voit bien. Donc, Laurence et Vincent sont les auteurs. Vincent est aussi l'illustrateur de Robotine et Thirobot. À chaque fois, on a un sommaire. Là, vous voyez, pour le coup, on a les 36 semaines et on a les compétences du programme qui sont répertoriées dans un ordre qui est tout à fait logique, très progressif. C'est très facile, je le répète encore une fois dans le contexte actuel, parce qu'on n'a pas à se soucier d'un accompagnement pédagogique, on n'a pas à se soucier, si vous voulez, de ce qu'on fait nous en tant qu'enseignants en classe d'habitude, c'est de construire des séances, de faire une progression structurée, parce que bien entendu, malgré les outils qu'on peut éditoriaux que l'on peut avoir, ça demande une adaptation, notamment en fonction du niveau des élèves. Ici, on a quelque chose d'assez simple. J'ai parlé de semaine, en fait, j'ai dit une bêtise, excusez-moi, il y a 68 leçons, vous voyez, donc 2 pages de sommaire. Vous voyez, première page, par exemple, les nombres de 1 à 5. On a ici, on a un exercice sur une page. C'est toujours un, deux ou trois exercices. Là, on est dans du CP. Évidemment, on n'a pas beaucoup d'exercices par page au début. Mais vous voyez, rapidement, deuxième page, les nombres de 1 à 5. On a trois exercices. Des exercices, vous voyez, la page est très épurée, très simple. La consigne est courte, concise. Elle est facile à comprendre. Elle doit être lue, évidemment, au CP au début de l'année. Mais rapidement, les enfants, avec une certaine récurrence des consignes, vont arriver à comprendre d'eux-mêmes ce qu'il faut faire. Ils aiment beaucoup en plus le côté visuel, hein, puisqu'ils peuvent colorier Thirobot et Robotine, ce qui peut un petit peu aider en ce moment, hein, parce qu'il faut bien tuer le temps, on peut pas travailler 6 heures par jour en ce moment, hein, faut bien être réaliste. Et ce sont des exercices donc qui sont, je le répète, progressifs. Voyez, on est passé des nombres de 1 à 5, ici maintenant des nombres de 1 à 10, etc. Comparer les nombres de 1 à 9. Bon, je ne fais pas tout le détail, mais vous voyez toujours la même chose, trois exercices récurrents, faciles à comprendre et variés. Hein, on a des exercices qui ne sont pas toujours systématiquement les mêmes. Voilà pour ce cahier, ce premier cahier, qui est un cahier de calcul. On a aussi, alors je peux vous montrer rapidement un calcul CM2 pour essayer de faire plaisir à tout le monde, enfin en tout cas aux deux extrémités de l'école élémentaire. Toujours pareil, là ici 68 leçons, toujours la même progressivité, une alternance de calcul rapide, d'opérations et de calcul réfléchi, parfois du calcul instrumenté, vous verrez un petit peu plus tard. Donc là, toujours, il y a toujours pareil, un, deux, trois exercices, des additions posées, des additions en ligne, une utilisation de la calculatrice,
d'ordre de grandeur. Donc, évaluer la grandeur du résultat, compléter des tableaux en additionnant les deux nombres, en reportant le résultat, des additions à trous, des carrés magiques. Bon, d'habitude, ce sont des cahiers qu'on utilise beaucoup en accompagnement. Moi, j'utilisais en classe pour des élèves en difficulté ou des élèves qui avaient besoin de faire plus. Ça pouvait être l'un et l'autre, l'un ou l'autre. Mais pour les élèves à besoins particuliers, comme on dit, c'est vrai que c'est des cahiers qui sont parfaitement adaptés et qui sont accompagnés aussi hein, d'un guide du maître qui explique les choses. Et puis surtout aussi, ça peut être important dans le contexte actuel, il y a les corrigés que vous pouvez photocopier, scanner et envoyer à vos élèves. Voilà pour ces cahiers qui sont toujours au format donc A5, les cahiers de calcul. On a aussi les cahiers qui s'appellent « Je réussis mes problèmes ». J'ai réussi mes problèmes, mais aussi je réussis en numération et en problème OCP. Donc, il y a un petit peu des deux, parce qu'évidemment, c'est compliqué en problème de faire des problèmes d'LCP lorsque les bases de la numération ne sont pas bien assises. Et il faut repasser par là pour pouvoir accompagner les élèves dans la résolution de problèmes. J'ai pris le CE2 pour que je ne présente pas toujours la même chose. Alors, ici, donc une démarche d'investigation qui est assez simple. Vous avez la partie je recherche, où on peut écrire, où on peut dessiner, parce on réfléchit beaucoup aux problèmes par le dessin, notamment dans les petites classes. Ensuite, on a un cadre pour les calculs, l'opération. Là, on peut marquer ici quelle opération on va faire, plus, moins, fois, diviser. Et enfin, ici, une phrase-réponse. À chaque fois, c'est la même structure pour tous les problèmes. Donc là, c'est une banque de problèmes, mais avec, vous voyez aussi, un travail sur la méthodologie, sur la compréhension, sur l'utilisation des opérations, le choix. Vous savez, il y a un gros problème des fois de choix d'opérations. Ça peut être de choix de données, les données utiles, les données inutiles. Donc, il y a aussi de temps à autre de la méthodologie pour que ce ne soit pas simplement une banque de problèmes. Dernière série de cahiers bout de gomme. La géométrie, ces cahiers sont au format, là pour le coup, A4. Pourquoi ? Parce qu'il faut avoir de la place pour faire ces tracés. Ceux-là, ils connaissent vraiment un grand succès auprès des enseignants que vous êtes parce que on a la possibilité de faire ces tracés sur un cahier qui n'est pas très épais malgré les 68 leçons. Et surtout, on ne perd pas la feuille. Hein. Moi, pour avoir fait de la géométrie, j'ai eu beaucoup de CM2. On faisait ça sur feuille blanche, on collait sur le cahier, mais c'est vrai qu'on perdait souvent les feuilles et puis on était bien embêté de ne pas retrouver la trace écrite de l'élève. Ici, on a tout le programme comme d'habitude et on ne perd pas la mémoire de ces tracés. On a aussi de la méthodologie, vous voyez, on a de rappels de cours. Ici, la ligne droite est limitée par deux points, vrai, faux, un segment, deux extrémités, vrai, faux. On ne fait pas que du tracé, on a aussi des compétences qui sont révisées. Évidemment, je ne fais que de me répéter, mais on est exactement dans le contexte, c'est tout à fait propice à la situation qui nous pose un petit peu des difficultés, faut bien le dire. Voilà pour ces cahiers. Je sais que vous voudriez en voir plus, d'autres voudraient peut-être en voir moins en considérant peut-être que je suis bavard, donc je vais revenir devant vous, je vais sortir de l'écran partagé. J'ai vu qu'il y a des petites questions qui sont apparues. Alors, beaucoup de réponses, beaucoup de plutôt de réactions par rapport à ce que je viens de dire. Je vais essayer de revenir un peu en arrière et de traiter les choses qui méritent un éclaircissement. Permettez-moi juste une seconde. Voilà, j'y suis. Martine, sur ce que tu viens de présenter, la page des quatre conjugués est très courte. Il s'agit plus d'un rappel qu'une vraie séance de découverte. Ah, alors Martine que je connais, qui est une conseillère pédagogique, je te reconnais bien là, Martine. Merci, tu as raison. Je rappelle que ces cahiers, ce sont des cahiers d'accompagnement, évidemment, et qui ne peuvent en aucun cas se substituer au travail de l'enseignant qui doit faire sa préparation, sa progression, et qui, dans certains manuels, va trouver un accompagnement pédagogique beaucoup plus important. Là, on n'est pas dans cette perspective. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne s'utilise pas de manière autonome comme un livre de maths, comme un manuel de maths ou un manuel de français. Ce sont des cahiers d'accompagnement. Jean qui me dit, Emmanuel, tu sais que la plupart des éditeurs mettent en ligne leur manuel numérique de façon gratuite. Perso, je cite ta conférence pour ne pas m'égarer au niveau support. J'ai un CE2 ne passe pas par le CNED
envoie aux parents des PDF. Alors, évidemment, on pourrait envoyer des PDF. On va, comme je vous l'ai dit, on réfléchit à des ressources gratuites. Dans la deuxième partie de ce webinaire, je vais vous en proposer des ressources gratuites. Je peux pas aussi facilement que ça mettre en ligne tous ces PDF. Il y a des auteurs derrière, il y a des droits, il y a un modèle économique qu'il faut défendre chez Jokatop. Je sais que ça peut être un peu compliqué à entendre, mais on a beaucoup de commerciaux chez Jokatop qui sont un peu en difficulté, vous comprenez bien pourquoi. Donc on peut pas donner tout en ce moment, mais on va prendre en considération de plus en plus cette problématique et vous aider et aider les familles, c'est promis. Solène, qui me dit que le fait qu'il n'y ait pas trop d'exercices par page correspond parfaitement aux difficultés rencontrées par des élèves dysphasiques. Oui, merci de cette précision. Effectivement, les élèves qui sont en difficulté et qui n'ont pas qui ont une forme de handicap ou qui sont à besoins particuliers, évidemment, ces cahiers sont très sympas pour eux. Hélène, des cahiers très utiles pour refaire, renforcer. J'utilise en CM2, les élèves adorent. Oui, c'est un petit peu ce que j'ai dit. Merci, Hélène. Je vais pas tout lire. Quand il y a des choses redondantes, je ne répète pas. Le cahier est toujours au top. D'accord. Grand panel de programmes anciennes, j'utilise souvent avec mes élèves. Cela change les exercices des manuels trop standardisés. Merci. En ce qui concerne les cahiers pour les parents, est-ce qu'il est possible d'avoir les corrigés? Alors oui, il y a les corrigés. Bien entendu, j'avais répondu à cette question, hein, puisque j'avais répondu tout à l'heure. Donc oui, il y a les corrigés à chaque fois, mais je peux vous le montrer. Et là, puisque je l'ai dit, je vous montrerai la forme. Donc voyez, cahier de calcul, ça c'est le format pour calcul et le format pour problème. C'est un format A5. Donc ça c'est le cahier de l'élève. Et ensuite, à chaque fois, je vous montre l'autre cahier. Voilà, ça c'est le CP en mathématiques bout de gomme. Géométrie, grand format, format A4. Et format A5 pour les autres matières. Et à chaque fois, on a, excusez-moi, voilà, le cahier, je réussis là, c'est géométrie en géométrie au CM1, et c'est le cahier corrigé. Donc à l'intérieur, on a la correction, par exemple, de tous les tracés, hein, de tous les tracés qui sont demandés aux enfants, page par page, c'est organisé de la même manière que l'élève. On a assez corrigé donc dans tous les cahiers, que ça soit en mathématiques ou en français. Alors oui, de plus, on ne peut pas demander aux familles d'imprimer tous les jours. Tout à fait d'accord, Jean-Luc. Hein, c'est pour ça qu'effectivement, c'est vrai qu'il y a la numérisation des documents serait idéale. J'en suis bien conscient. Marie qui me demande si elle n'était pas là au début, on peut compléter directement sur les fiches. Oui, bien sûr, c'est comme un fichier en fait. Hein. S'ils ont plusieurs enfants, ça peut devenir un coût. Alors le coût, allez, j'en parle puisque vous m'interpellez sur le coût de ces cahiers. Alors ces cahiers, pour vous donner une idée, parce que je ne vais pas faire la liste de tous les tarifs, vous en doutez bien, c'est vraiment pas cher. Exemple, un cahier d'écriture. Pour le CP, 4,20 € TTC. À ça, il faut ajouter les frais de port. Mais voyez, le prix individuel, c'est entre 4,20 €. J'ai 4,80 € au maximum, si je ne me trompe pas. Donc, entre 4,20 € et 4,80 €, les plus chers sont les géométries. C'est forcément dû au format de ces cahiers qui sont les plus grands. Mais donc pas du tout onéreux. Bien entendu, si une famille a 5 enfants et qu'elle doit s'équiper à la fois mathématiques et en français, je conçois que ça devienne un petit peu cher. Mais le format, quand même, c'est quand même pas un format très, très cher. Vous nous annoncez des évolutions aux utilisations des différents supports. Comment pourrons-nous le savoir? Alors, je viendrai peut-être à la fin, ou je le dis tout de suite. Il y aura d'autres webinaires comme ça régulièrement où j'essaierai de présenter des ressources différentes des éditions Jokatop. Je vais revenir peut-être. Après, là, il est celui-là est très général sur la continuité pédagogique. Je reviendrai peut-être un peu plus précisément sur l'utilisation de certains cahiers, en ayant bien entendu ce que vous m'avez demandé sur des ressources utilisables peut-être sous forme numérique, à voir avec l'équipe éditoriale de Jokatop. Mais il y aura donc, je le répète, d'autres webinaires. Notez déjà, le prochain webinaire aura lieu vendredi à 14h30, toujours sur la continuité pédagogique, et donc avec peut-être d'autres ressources présentées. Alors, je vais passer à la dernière partie de cette présentation. C'est le Jocaster. Je fais un petit passage simplement avant cela sur le site de Jokatop.
qui n'est pas pareil que le Jocastor. Donc, je passe en écran, en plein écran. Voilà, je passe au site de Jocator. Donc, vous pourrez retrouver, évidemment, les collections habituelles, mais ce n'est pas tellement l'objet pour l'instant. Allez voir, mais là, on est dans une utilisation de classe. Mais vous voyez qu'on a mis en avant les cahiers, notamment les cahiers bout de gomme. Ici, vous avez la géométrie OCP, OCE1, OCE2. Mais vous retrouverez ça en allant voir les cahiers pour l'élève, cet onglet. Vous aurez tous les cahiers que je vous ai présentés. Je passe maintenant au Jocastor. Alors, le Jocastor est un magasin en ligne, comme son nom l'indique, le magasin en ligne des éditions Jocator, qui est une interface utilisable par les enseignants. Pour l'instant. Vous allez voir, la nouveauté liée au contexte nous a amené à évoluer pour l'instant, enfin provisoirement sur le sujet. Il faut savoir que quand un enseignant acquiert un produit numérique, chez Jocator maintenant, c'est complètement dématérialisé. Il va non plus recevoir une clé USB ou un CD-ROM, mais il va recevoir un identifiant et un mot de passe. C'est pourquoi vous voyez ici l'identifiant et le mot de passe. L'identifiant et le RN de l'école, donc vous savez, le 078 quelque chose, 060, 014, 019, en fonction de votre département, plus un code à 5 chiffres, lettres derrière, et le nom de votre académie. Vous avez un mot de passe, c'est le directeur qui reçoit ça ou la directrice qui reçoit ça. Il peut ou elle peut personnaliser le mot de passe et ensuite le donner à l'équipe pédagogique. Donc, première chose importante, les produits sont dématérialisés, ce qui évite de perdre le CD-ROM, de perdre la clé USB, de la casser. Ça résout le problème aussi du système d'exploitation, car quand vous utilisez les produits en installation, vous êtes confronté aux différentes versions de Windows. Est-ce que ça marche avec Windows? Est-ce que ça marche avec Mac? Est-ce que ça marche avec Linux? Bon, là, on n'a plus du tout ce genre de contraintes puisque c'est en ligne. Les produits sont utilisables en ligne. Alors, on peut tout de même les installer, je vous rassure, parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes avec la connexion, avec le numérique. Je sais que il y a une certaine inégalité au niveau du territoire. Avec les enfants, c'est pareil en ce moment. Je l'ai dit en début de webinaire. Il y a des enfants, à peu près 5% des enfants qui n'ont pas accès à un ordinateur ou à une connexion à Internet. Donc, il faut aussi penser à eux et on peut utiliser en installation tous les produits. Une fois que j'ai mon identifiant et mon mot de passe, je me connecte et je rentre à l'intérieur de mon Jocastor et j'ai accès à tout ce que j'ai acquis, tout ce que j'ai acheté. Alors, vous vous doutez bien que moi, je fais souvent la petite blague, mais j'ai tout acheté chez Jocator et j'ai toute la production éditoriale de Jocator version numérique. N'ayez pas peur, ne vous sauvez pas, je ne vais pas tout présenter, bien entendu. Quelques collections tout de même pour vous montrer quelles classes sont concernées. Un produit très connu, notamment par les maternelles, c'est de la maternelle, ça va de la petite à la grande section, avec un module qui est consacré simplement à la moyenne et à la grande section, c'est Zoom. Zoom est au départ un logiciel, donc est devenu un produit numérique, qui permet de travailler mathématiques et français, à chaque fois 12 exercices, qui permettent de travailler les thématiques que vous voyez à l'écran, lettres et mots, numération, éveil à la conscience phonologique, structuration de l'espace, parfaitement adapté pour être utilisable sur tablette ou sur ordinateur, puisque je vous le rappelle encore une fois, c'est du online. Le Zoom est d'ailleurs à utiliser en priorité sur tablette. Il y a des paramétrages à faire par l'enseignant qui peut personnaliser le niveau, qui peut personnaliser le temps consacré à chaque exercice, qui peut choisir les exercices et qui a surtout un suivi du travail de son élève. Autre collection pour la maternelle, et là il est tout à fait nouveau, un peu moins d'un mois, Timothée le petit serpent, qui permet de travailler le graphisme, lettres capitales, lettres cursives et aussi les chiffres. Ça, tout ça pour la maternelle. Enfin, pour la maternelle, les comptes numériques, qui permet de travailler des comptes numériques traditionnels, à la fois avec une écoute, une visualisation de posters, d'affiches, avec texte qui est lu par un narrateur, qui est aussi ensuite travaillé du séquentiel pour remettre des images dans l'ordre, des images à compléter, des images à colorier. Donc, un produit qui, dans les circonstances actuelles, peut être intéressant pour les enfants, parce qu'il y a pas mal de travail d'autonomie possible. Voilà pour la maternelle. En élémentaire, on a deux collections. La première, le chapeau histoire. Ce sont des boîtes de jeux au départ qui ont été
des cartes qui ont été numérisées et qui permettent de faire de la production d'écrit sous forme plutôt de jogging d'écriture, mais donc des formats courts, ce qui est plutôt intéressant, plutôt que d'avoir de grandes quantités d'écrits qui sont rarement efficaces parce que les enfants écrivent beaucoup, mais ce n'est pas structuré, les enseignants ont du mal à corriger. Hein, ça nous a jamais fait très plaisir d'avoir deux pages à corriger sans que ça soit bien organisé, bien orthographié. Donc là, c'est court, très bien encadré pédagogiquement. Il y a un parcours d'écriture, des cartes de différenciation, des mandalas que les enfants colorient pour savoir où ils en sont précisément. Ça fera peut-être l'objet d'un webinaire où je vous présenterai ces produits plus en détail. Aujourd'hui, je reste assez général. Deuxième collection, les leçons numériques. Donc là, vous voyez qu'il y en a beaucoup pour l'élémentaire. Ce sont des... C'est une collection qui, au départ, se concentrait sur les matières dites de connaissances, histoire, géographie, sciences, ENC, avec les noms aussi du cycle 2, hein, questionner l'espace, le temps, questionner le monde, l'espace, le temps, questionner le monde, et l'ENC pour donc le cycle 2. Et depuis quelques semaines, on a une version grammaire pour le CM1, CM2. Alors, je vais peut-être pas rentrer dans les détails de toutes ces leçons numériques. Je vais juste en présenter rapidement l'état d'esprit. Je vais même pas rentrer dans une leçon en détail. Je vous montre un petit peu l'organisation de ces leçons numériques, puisque quel que soit le module, ça fonctionne de la même manière, sauf la grammaire. Alors, on a quatre entrées possibles. Une entrée, leçon. Ce sont des leçons toutes faites, qui sont tout à fait structurées, faite par Jokatop, avec du texte qui est lu par un narrateur de manière séquentielle, accompagné de documents iconographiques très variés, adaptés évidemment à la matière. Ici, on est dans l'histoire, donc on va avoir des photographies, des tableaux, des cartes, des frises chronologiques, des textes, des vidéos, des audios, toutes les ressources qui permettent de travailler l'histoire autrement que à travers le papier. On peut aussi avoir, et ça c'est particulièrement intéressant, pour personnaliser et adresser des leçons particulières à des enfants, un éditeur de leçons qui permet de copier toutes les leçons faites par Jokatop, de les retrouver dans l'éditeur de leçons, de les personnaliser et de les modifier, soit de les alléger, soit de les enrichir. On peut les enrichir notamment en ayant un accès à la bibliothèque de médias, où tous les médias sont classés selon les éléments du programme, par typologie de médias. Donc là, les photographies, les illustrations, j'ai accès à énormément de ressources. Je suis juste dans l'introduction, hein, mais vous voyez, si je vais dans le temps de la République et que je regarde, que je retrouve mes photographies et mes illustrations, je vais en avoir énormément. Donc j'ai une grande richesse documentaire, des cartes, des frises, des schémas, des textes, des images commentées, diaporamas, etc., etc. Je le répète, je ne vais pas plus loin parce que je présenterai probablement dans un futur webinaire plus en détail ce programme. J'ai des exercices aussi, et des évaluations, exercices interactifs, mais exercices aussi, là pour le coup, je réponds à une partie des questions tout à l'heure, qui sont à chaque fois des exercices qu'on peut générer au format PDF et enregistrer, et donc ensuite envoyer aux élèves. Je m'arrête là sur, vraiment, je suis désolé, sur parce qu'il y a des gens que ça va vraiment un peu barber, ils vont trouver ça trop long, donc je m'arrête là sur sur les leçons numériques. Je le répète, il faut savoir qu'il y a ça en histoire, en géographie, en sciences et en EMC, et aussi depuis peu en grammaire. Exceptionnellement, donc, je reviens à ma présentation et après je reprends le chat pour terminer. Vous m'avez interpellé à juste titre sur les ressources gratuites et dans ce contexte vraiment très particulier. Alors, nous avons décidé chez Jokatop de permettre... Je reviens à ma présentation. Je l'ai perdue, mais voilà. Nous avons décidé chez Jokatop de permettre aux enseignants qui avaient déjà acquis ou qui le feront évidemment dans les jours qui viennent un produit du Jocastore d'avoir un accès pour les élèves. Autrement dit, nous allons très prochainement, c'est lundi prochain, ouvrir l'accès aux élèves des enseignants qui sont déjà clients des produits numériques. C'est-à-dire que vous pourrez communiquer l'identifiant et le mot de passe qui est le vôtre, puisque vous êtes déjà client, aux familles. Je reviendrai sur la méthodologie, ne vous inquiétez pas. Et vous pourrez leur donner accès aux ressources en ligne donc, du Jocastore.
Je vous rassure, après nous réinitialiserons les mots de passe pour que les enfants ne se dispersent pas et n'aillent pas voir un petit peu partout et évidemment un petit peu vous gêner dans l'utilisation de vos ressources. Mais pendant une période qui est indéterminée, puisque pour l'instant on n'a pas assez de lisibilité sur la période de confinement, cet accès donc sera rendu gratuit pour les utilisateurs des leçons numériques de Zoom et d'autres collections présentes sur le Jocasta. Voilà, je vais revenir, je vais quitter donc l'écran partagé et je reviens à vous. Alors, j'en sais qui me dit, ben voilà, alors ça veut dire que c'est content, j'en sais, je sais pas. Je vais revenir en arrière parce que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup réagi. Je ne sais plus où j'en suis, permettez-moi juste de prendre un instant. Alors, pouvez-vous parler du logiciel Zoom? C'est premier, je refais un webinaire, je reparle de Zoom. Parce que là, on en est quand même à 45 minutes. Je suis professeur en centre spécialisé. Nous dépendons de la santé et non de l'éducation nationale. Comment avoir des identifiants? Des identifiants, j'imagine, pour aller sur le Jocastor, Solène. Eh bien, vous pouvez aller sur le site des éditions Jocatop. Et puis, vous pouvez aussi avoir. Je vais vous donner le standard des éditions Jocatop, même si évidemment aujourd'hui vous imaginez bien, c'est un petit peu perturbé et tout le monde n'est pas présent au siège. Je vous donne quand même le numéro de téléphone du standard et vous pourrez appeler. Évidemment, en temps habituel, on passe par un commercial. Alors, le standard de Jocatop, voilà. Si vous voulez noter, c'est le 04 90 31 43 55. Je répète, 04 90 31 43 55. Il faut peut-être aussi privilégier le mail parce qu'on pourra vous répondre évidemment à distance. Le mail, vous le retrouverez sur le site des éditions Jocatop. Zoom excellent, j'ai fait tourner de nombreuses années en GS sur des ateliers autonomes. Merci, j'en sais. Les leçons numériques sont excellentes et les élèves adorent. On peut ajouter nos propres documents et les traces écrites. C'est ce que je disais avec la personnalisation des édits, avec l'éditeur de son. C'est vrai que c'est super. Moi, je l'utilisais comme ça pour les CM2 notamment. Le problème actuel, donc Boucherel, le problème actuel, c'est que les écoles évitent le coup. Dommage, car c'est très intéressant. Ouais, vous avez raison. Hein, c'est vrai, je comprends bien la problématique en ce moment. Je peux pas évidemment faire grand chose, mais bon, j'ai répondu à la question en proposant pour au moins pour les clients la gratuité pour les enfants. J'utilise beaucoup les Quiztop en atelier. Il y aura des choses sur Quiztop bientôt sur le numérique, j'en dis pas plus pour l'instant. Nous possédons des leçons numériques en ligne et d'autres sur CD, aurons-nous la même souplesse avec les deux supports? Oui, alors de toute façon, là, évidemment, non. En ce moment, c'est un peu difficile parce qu'on n'est pas hyper, on sera peut-être pas hyper réactif sur le Jocastor, mais mettez un mail sur aux éditions Jocatop pour avoir cette explication. Normalement, on vous créera un compte Jocastor et vous pourrez utiliser vos ressources en ligne. Alors très bien pour les enseignants, mais pour les parents déjà clients. Alors il n'y a pas de parents déjà clients sur le Jocastor, c'est évident, évidemment. Hein, nous sommes spécialisés dans la relation enseignant et nous vendons exclusivement pratiquement aux enseignants. Je parle vraiment pour le Jocastor et pas du tout pour les cahiers grand public. Hein, les cahiers bout de gomme sont déjà vendus aux parents et donc aux enfants, mais évidemment que là le Jocastor s'est adapté aux enseignants. Mais pourquoi pas le vendre aux parents, mais pour l'instant, ce n'est pas notre priorité absolue. Ces leçons numériques sont un vrai plus pour les enfants et les parents. Merci Martine, tu t'es rattrapé, c'est sympa. J'en connais 27 qui vont être ravis. Bravo, merci. Bien, mais il faut que l'enseignant soit client ou l'école aussi. C'est bien un peu ce que j'ai expliqué. Parfait. Alors, je pense avoir répondu à plein de questions. N'hésitez pas, s'il y en a d'autres, à me relancer. Un webinaire déjà dédié à Quiztop. Allez, je ne vais pas en dire plus pour l'instant. Allez, on va dire que vous brûlez, ça viendra. Est-ce que ça veut dire que Quiztop sera aussi disponible pour les élèves en ligne? Vous aimez bien Quiztop, hein, c'est vrai que c'est un super produit. Mon école est déjà client Jocatop, vous avez un petit accès au Jocastor? Oui, envoyez un mail à Jocatop, on vous répondra sur ce sujet. Des outils sont-ils bientôt prêts pour faire le lien avec le CP? J'entends par là des manuels pour préparer progressivement
les GS au CP. Alors, vous avez les cahiers d'écriture pour les GS au CP. Vous avez Zoom en numérique. Ça, ce sont les produits que j'ai présentés. Et puis, il y aura là aussi quelque chose que je présenterai dans le cadre d'un autre webinaire. Je voulais pas en présenter trop aujourd'hui, mais il y a quelque chose qui répondra à votre question, à votre problématique. C'est promis dans quelques jours. Ne croyez pas que je m'amuse à vous faire patienter. Hein. Vous savez très bien que là, nous, on a beaucoup de travail pour réadapter un certain nombre de choses et vous proposer aux parents des produits qui ne sont pas sous la forme habituelle. Donc, tout le monde travaille au niveau du développement. On a une équipe super qui travaille d'arrache-pied pour adapter les outils. Et c'est pour ça qu'il faut un petit peu de patience. Écoutez, j'ai des merci. C'est vraiment sympa de lire tout ça. Ça me fait chaud au cœur et ça nous encourage parce que vous imaginez bien que pour nous, c'est un sacré défi de se réadapter et ça fait plaisir de voir que ça vous fait du bien. À moi aussi. Vous retrouverez cette vidéo enregistrée sur Facebook, sur YouTube prochainement. Donc, si vous voulez la revoir, si vous voulez la partager, la faire partager à d'autres collègues, à des parents, vous voyez, on va le mettre public, hein, il n'est pas question de se dissimuler. On s'ouvre et on essaie de surmonter cette épreuve ensemble. On n'a pas tous les mêmes problématiques, mais on essaie de serrer les coudes pour y arriver ensemble. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est très gentil. Merci encore pour vos commentaires. Je vous donne rendez-vous, je le rappelle, vendredi prochain à 14h30. On est toujours sur la continuité pédagogique. Je représenterai évidemment des choses un peu similaires parce qu'il y aura des gens qui n'auront pas assisté à ce webinaire, mais je ferai découvrir d'autres choses et j'essaierai un petit peu de vous enlever cette petite épine du pied parce que je sais, hein, je sais que vous consacrez sûrement plus de temps en ce moment devant vos ordinateurs et à inventer des trucs pour essayer de poursuivre cette continuité pédagogique avec vos élèves. Je vous souhaite bon courage et je vous remercie encore de votre attention et à très bientôt. Au revoir à tous.